Coucou les bouchous, il est midi, pile presque. On est mercredi, j'ai des colis à... Colis d'une abonnée. Colis, mais à vous ouvrir. Donc nous allons ouvrir ça ensemble. Alors ce colis-là, c'est une enchère eBay. Ce sont des bullards publicitaires. C'était un lot. Donc il y en a qui sont même en double, je crois, si je me rappelle bien. Moi j'aime beaucoup eBay, hein. Je suis pas du tout vintage, je suis beaucoup eBay, vous le savez. Alors, oh dis donc, drôlement bien emballé. Il y en a 22. On va voir ça ensemble. J'ai la petite carte, les trésors du temps. Et donc je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Oups, pardon, je vous fais bouger. Hop, voilà. Voilà, Néjol, chlorocamphre, antimite, c'est ça, hein, je lis bien ou pas, buvard à conserver. Moi, je peux aussi m'en faire des marque-pages des fois de ça. Héliogaz, le bon butane de France, ok. Dizoniche, c'est quoi ça? Clairement, c'est un monsieur qui travaillait dans le médical, non? Laboratoire, ok. Ça, je l'ai déjà, donc je vais filer à mon père. Dans Blanche à laine fraîche, je l'ai mis, je l'ai encadré dans ma salle de bain. Trois mousquetaires, neuf occasions. Oh, sympa. Les trois farines. Tu vois, ceux-là, par exemple, qui n'ont pas vraiment de design intéressant, je les mets en marque-page. Celui-là, très intéressant. Il y en a deux en plus. Singer. Noyé en France, meublez-vous. Ah ouais, trop stylé. J'ai enfilé un à mon père. Ok. Bois de mine, établissement Georges Durand. Tu vois, c'était vraiment des buvards qui ont été utilisés en plus. Mon ventre gargouille. 3,33 pour les mains. Après tout travaux salissants, lavez vos mains, mais lavez-les bien. J'adore. Je ne sais, sais même pas sur pour combien j'en ai eu, mais pas très cher en plus. Ouh, très intéressant. Décembre 1954. All right. Oh, génial. Je suis sûre que Marjo, elle va en vouloir quelques-uns. Je sais pas pourquoi. Ça, je garde. Direct. Ok. Blédine, c'est, tu vois, mais il y a la blinde, bah 22. Hein. Oh, j'adore, celui-là, j'adore. D'accord, je vais en mettre quelques-uns à l'école. Tiens, il y en a en double. Je vais peut-être le filer à Marjo, les doubles. Hop, chaussures de sport pour dame. J'adore, trop fort. Tout pour le pneu, entreprise Mathieu. Et génial, tu vois, oui, il y a des doubles, effectivement. Je vais les trier, je vais en mettre quelques-uns pour mon père de côté. Alors, le colis suivant, le gros noir. Dit comme ça, c'est bizarre. C'est un peu cocasse parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur eBay, trénouiller, chercher ce que je veux. Et alors le truc, je ne sais pas si ça t'arrive aussi sur eBay. Par exemple, admettons, on va concrétiser le truc, je cherche une thermos années 70. Je cherche, oh, il y en a une super, je mets une enchère. Je cherche, ok, affaire à suivre. Je cherche une autre, ah voilà, c'est celle que je voulais, je l'achète. Sauf que j'oublie de rétracter l'enchère que j'ai mise tout au début. Alors, s'il y a surenchère, c'est bon, l'affaire n'est pas dans le sac. Mais si j'oublie, l'autre jour, je reçois un mail. Vous avez gagné l'enchère, veuillez procéder au paiement. Je dis quoi? J'avais complètement oublié que j'ai enchéri sur un lot, en fait, de trucs. Mais oui, un lot de trucs. Et donc, du coup, ben, sinon, j'aurais rétracté parce que franchement, j'ai besoin de rien de tout ça puisque je fais les brocantes. Donc, j'ai enchéri sur cet objet. Je t'avoue que je ne sais même pas ce que c'est. J'ai enchéri sur ça, moi. Et dedans... Ah, c'est pas un nécessaire... Oh, Châtel-Huillon. Il faut que je demande à mon père, je vais lui dire, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Sinon, mon père récupérera. Donc, c'est un truc mesureur. Petit, donc pour un liquide quelconque. Ou bien, c'est un truc de voyage, non? Un savon de voyage? Ah, et n'empêche, non, je ne vais pas le filer à mon père. Tu sais ce que je vais en faire? Je sais. Je vais le laver déjà. Dans ma voiture, je mets un savon, toujours un savon, parce que des fois, sur les aires d'autoroute, il n'y a pas le savon. Avec Marjo, l'autre jour, on avait décidé de faire ça. Oh, ben oui, c'était pour celle-ci, en fait, que j'avais enchéri. En même temps, j'en ai eu pour 5 balles, là, je crois. Donc, tu vois. Oh, trop cute. Elle est trop mimims. Oh, bah, franchement. Tu sais que je le fais à chaque coup, ça, hein. Ah bah, rien que pour ça, ça valait le coup. Ah ouais, non. Est-ce qu'elle se ferme bien, moi? Pas trop, hein.
faudra bien la garder. Ah ouais, bof, faudra bien la garder debout. Parce que je pense qu'elle est plus très étanche. Ou bien fermée là alors. Oh génial. Mais rien que pour ça, ça vaut le détour. Franchement, la marque c'est quoi? Seagull. Ah, ça veut dire une mouette. Génial. Made in England alors peut-être. Ok. Tu vois, c'est le colis. Hein. Alors par contre, celle-là, je n'avais pas vu. Mais il manque le bouchon. Donc du coup, deg. Inutilisable. En plus, du coup, j'en ai trouvé une autre bleue. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ah oui, s'il y a... Alors, ouais, mais bon. Fermer comme ça. Ou alors, 36 heures franche. Ou alors mettre des... Par exemple, si j'ai des fraises, des framboises ou une connerie comme ça. Mais, Isobel. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Tu vois, comme je te disais une fois, le cul se dévisse. Tu peux dévisser, hein. C'est quoi, c'est un nom de famille? Ah, tu dois le dévisser là, sûrement. Made in quoi? Belgium. Ah oui, souvent. Je vais essayer de voir si j'ai pas un bouchon qui va. Sinon, dégoûté. Elle est belle en plus, bleue comme ça. Bon, elle est moisie que ça. Mais bon, tu sais qu'on peut toujours en faire quelque chose. Ah ouais! Je crois que j'ai payé plus d'envoi. Oh putain. Regarde la gueule! On dirait Véronique... Ouais? Comment elle s'appelle? Sanson? Super, eat straight from... Oh. Ah oui, ça c'est pour mettre de la bouffe. Donc, si tu peux manger direct, regarde, elle mange, la fille Véronique Sanson, elle mange. Aladdin. Ça, c'est une marque qui est faite en Angleterre. Tu vois? Ouais, ok. Ah oui, alors celui-là, c'est plus quand c'est les gros... Non, comme ça, c'est pour la bouffe. C'est Stylax. Alors, à Nettoyax, évidemment. Mais alors, du coup, ce que je comprends pas... Enfin, non, c'est pas ce que je comprends. Mais du coup, je vais essayer de le garder pour pouvoir garder l'autocollant. Tu vois? Voilà. Ah, attention, parce que des fois, ça, c'est plus très bien. Voilà. Voilà. Eh ben, je vais enlever ça. Et le reste, je vais nettoyer accessoirement parce que j'aimerais pouvoir garder ça. Et d'ailleurs, dommage que Véronique... Bon, on voit encore Véronique Sanson, mais c'est tout. Hein. Regarde l'état du truc. Ah, il avait dit, hein, monsieur ou la dame, je ne sais pas d'ailleurs. En plus, je vais pouvoir garder ça pour pouvoir enlever envoyer d'autres choses. Il y avait un plateau aussi. Alors, est-ce qu'elle est morte? Où est-ce que j'ai foutu mon... Ah bah, j'ai foutu mon truc. Il y en a tellement. Ah, c'est bien emballé. Hein. On va dire le contraire. Oh, ça, je garde. En mélaminé ou je sais plus, comment ça s'appelle, ça. Ah ouais. Ah ouais. Sympa. Putain, t'imagines tout ça pour 5 balles? J'avais pas besoin de tout ça, hein, clairement. Mais rien que ça. Et la petite thermos, franchement, nickel. Et la dernière, je crois que c'est une gourde. Mais tu sais que tout ça lavé, n'empêche, ça peut être plutôt pas mal. Y a-t-il une date ou quelque chose? Non. Alors, tout est vraiment pourrave. Hein. Je pourrais prendre des photos presque avant-après. Hein. Voilà. Voilà mon petit colis eBay. N'empêche que je suis contente quand même. N'empêche. Maintenant, je vais ouvrir le colis de mon abonné. Non, mais je suis en train d'ouvrir le colis de mon abonné. En fait, je ne l'ai pas ouvert devant vous parce que je me suis dit peut-être qu'elle a mis un mot qui disait qu'il y avait des choses à pas montrer ou... Enfin, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Non, ça, c'est moi. Et mais laisse tomber. Oh bon, alors déjà... Super, t'as un pull Shein, je trouve que c'est un pull sans manche. Non, est-ce que c'est vraiment Shein? Ouais, hein. En plus j'aime pas trop Shein, mais alors là, oh en plus j'ai dit dans une vidéo que j'avais plus de pinceaux, j'en ai commandé, regarde, oh là là. J'en ai commandé sur Ali et j'ai eu un truc, j'étais hyper déçue, et elle avait, regarde, elle a mis ça dans un truc comme ça, avec des tiroirs qui vont à l'école pour mettre des trombones et tout ça dans mon... Oh là 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 là, je suis trop contente. Dans mon armoire, elle m'a mis 2 palettes en plus. Mais non, mais 3. Oh là là. Faut que je les ouvre. Faut que je fasse un crash test. All eyes on eyelash glue liner. Qu'est-ce que c'est ça, glue liner? Bon, bah écoute, on va... Alors, attends. Glue who? Je sais pas, ça vous parle? Can be used on bare... Par-dessus un eyeshadow. Bah attends, j'ouvrirai ça après parce que ça m'interroge. Non mais attends, c'est pas fini. Il y a tout ça. Et c'est hyper lourd. Oh, mais moi, je me sers de tout ce qu'elle me... Mais masque, cheveux anormaux à sec. Oh, il faut que je me lave les cheveux aujourd'hui. Bah vous l'aurez vu, shampoo, conditioner. Ah, je vais peut-être essayer ça. Ça, qu'est-ce donc? Oh, trop bien. Le dessous de l'œil en plus, j'en avais plus d'avance. Mais avec Khadija, franchement, je n'ai pas besoin de... Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien acheter. Et je ne sais même pas quand elle m'envoie un colis parce qu'elle...
putain, un petit baume pour les lèvres pour mettre dans ma voiture. En plus, je me suis dit tout à l'heure qu'il m'en fallait un. Ça, le pochon va clairement aller à une petite de l'école, si tu en es d'accord. Oh là là, qu'est-ce donc Complexion Pro? Oh là là, un fond de teint. Un fond de teint. Oh, oh mais non, mais trop fort. Génial, gel nettoyant main, mais trop... En plus, que des trucs dont je me sers. Que des trucs dont je me sers. Oh non, c'est gênant. Oh putain, un brow pencil pour les sourcils. Ah, génial. Oh, ça, je vais l'offrir à ma copine. Elle va être trop contente. Jamila, c'est pour toi. Qu'avons-nous? Oh, une crème pour les mains. Pareil, pour la voiture, j'en ai plus. Ça, oh, encore un pour mettre à l'école. Oh, c'est tout ce dont je me sers. Tout ce dont je me sers. Oh, mais trop bien. Alors, qui boit du vin? Je vais peut-être l'offrir à quelqu'un. Mes parents, tu vois. Mais non, mais t'as abusax. Mais regardez, mais regardez tout ce qu'il y a, son deck. Regarde. Qu'est-ce que tu as mis? Peu utilisé. Ah oui, parce que des fois, elle fait ça en plus. Lisse purifiée. Oh, mais trop bien. Mais peu importe, peu utilisé. T'inquiète, nous allons l'utiliser ici. Crème exfoliante. Trop bien. Et je me sers vraiment de tout. Souvent, je vous dis, c'est une abonnée qui me l'a offert. C'est une abonnée. Ah, trop bien. Je vais mettre au frigo. Et en fait, c'est à chaque fois, je vous dis, c'est Khadija, quoi. Qu'est-ce qu'on a, là, l'Occitane? Huile pour le nuit. Pour... En plus, c'est que... Regarde, c'est tout neuf. Mais trop bien. Rouge velouté. Ça, c'est pour un crash test. Une crème. Et tous les produits quasiment que j'ai. Bah, d'ailleurs, je vous referai les produits terminés parce qu'on me les a demandés. Ça, génial. On va faire ça ce soir. C'est les produits que m'a envoyé Khadija. Et je ne sais jamais quand je vais recevoir un colis. Tu vois, là, je vais chercher mon colis. Il me dit, il y en a deux. Ben oui, parce qu'il y en avait un. Oh, trop bien. Je l'ai déjà eu, celle-là. Elle est vraiment trop bien. Trop stylax. Bah écoute, non mais, non mais. Ah, je suis trop contente. Merci. Oh là là, franchement, je suis trop contente. J'ai repoudré un petit peu mon visage, donc tu t'inquiètes pas. Si t'as l'impression que je suis beaucoup plus que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, j'étais très grasse et je me suis recoiffée. Tout ça pour aller là au sécurité. J'ai ma commande Intermarché qui vient d'être livrée, donc je vais déballer tout ça. Bon, je te fais pas le détail du truc, mais t'as encore de la banane, de la galette de riz, du gerblé, des soja sun, du tofu, tu vois, hop, voilà, de la myrtille, du raisin, des fraises et des boîtes, enfin, tu vois, c'est toujours la même chose, hein. Franchement, tu regardes un retour de course, tu les as tous vus chez moi quasiment. Les filles, faut que je vous montre, enfin, les garçons aussi d'ailleurs, hein, absolument ce que ma mère m'a... donné en héritage. J'ai reçu le trench en héritage. N'importe quoi. Bon, elle a fait du tri, donc elle m'a filé plein de trucs. J'ai gardé cette petite écharpe. Je la filerai à une de mes élèves, mais c'est juste pour faire un petit look, parce que j'ai une petite idée. Et... En fait, elle l'avait eu en seconde main à, pff, à presque 100 € et quelques sur le eBay anglais. Il y a déjà au moins 15 ans, sans déconner. Et tu vois, il est en... En cuir, tu as l'étiquette vintage, Burberry's. Quand il y a le S comme ça, c'est la vieille étiquette, en fait. Il est vintage, vintage. Elle l'avait fait, parce qu'il était beaucoup plus long, elle l'avait fait couper, en fait, par vraiment une couturière, etc. Laver, chez le pressing et tout. Et même sur la ceinture, tu as le cuir. Bon, évidemment, il est abîmé, hein, mais c'est pas grave, je vais le garder quand même. Donc, voilà. Donc, voilà le trench, mais vraiment le vrai, vrai trench. Je voulais vous montrer. J'ai aussi trouvé chez Free Pipster. Non! Non, je dis des conneries. Sur eBay, j'essaie de le repasser en pâte mouille avec... Enfin, c'est pas, même pas mouillé, mais en fait, avec un... Avec ça. Mais en fait, je remarque qu'on peut carrément le repasser à même ça. J'osais pas, parce que je me suis dit, laisse tomber le truc. Voilà, c'est un... Je vous montrerai. Voilà, c'est un espèce de kawaii Adidas. Et là, je suis allée à la recyclerie, je vous montrerai tout ça. Ça, ça me fait penser à ma copine Rose Vintage Closet. Trop mims. Et voilà. Un kawaii. Tout lissé. Parce qu'il était vraiment, vraiment... j'aime bien. En plus, multicolore. Comme ça, ça fait très années 90. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Quelques euros sur eBay. Enfin, quelques... 15 quand même, je crois. Oh, vous êtes à contre-jour, c'est horrible. Ah, je suis désolée. Ça y est, je suis douchée. Il est 18h30. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Je voulais te montrer que Modelight m'a envoyé, à ma demande, hein, un énorme colis, mais blindax. Je te montre pas tout parce que je te montrerai tout. Il est blindax. Je te montrerai tout vraiment en détail.
Je vais ouvrir ça. Et en plus, il vous propose de gagner, je pense, quasiment la même chose que ce qu'il y a dans ce colis-là. Mais ce sera un concours Instagram. Donc, voilà. Et je suis allée. Donc là, j'ai encadré. Moi, je ne vous ai pas montré non plus. J'ai encadré. Je vais accrocher mes nouveaux buvards. Je vais vous montrer après, d'ailleurs. Celui-là, je l'ai mis en vente. Et j'ai récupéré ça chez mon père. Je suis trop contente. J'ai l'impression que c'est l'opaline. Mais je ne sais pas. Je me trompe peut-être. Qu'est-ce que c'est écrit? Made in Spain. Attends, parce que... je suis capable de le faire tomber. Made in Spain. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Lave à la main dans l'eau savonneuse. Ah ouais, procédé naturel d'application de peinture froide. Écoute, il est magnifique. Magnifique. Je vais passer un petit coup de chiffon dessus. Et puis, je vais te montrer ce que j'ai eu à la recyclerie hier. Voilà ce que ça donne. Bon, là, c'est aligné. Là, ça ne l'est pas. Il va falloir que je bidouille un petit peu. Voilà. Je te montre un petit peu en détail. J'adore. J'adore. Il y en a d'autres que je vais mettre à l'école, mais il me faut des caves maintenant. Oh, j'adore. Bon, évidemment, tout ce qui est buvard, ça a toujours un thème avec les gosses en général, hein, puisque c'est pour les gosses. Celle-là, j'adore. Et le café, vous l'aviez... celui-là était déjà là, donc ça fait ça. Voilà, donc là, ça me plaît. Mais ces deux-là, ça ne va pas. Ils sont trop bas par rapport aux autres. Donc, il faut que je trouve une solution. Mais bon, pour l'instant, ça va rester comme ça. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Parce que je ne vais pas en mettre 250 millions non plus. Donc, je pense que je vais peut-être en enlever un ou deux, tu vois. Enfin bon, je vais voir. Bon, déjà, je vais vous montrer les livres. Je vais vous les montrer comme ça parce qu'il y en a vraiment trop. J'ai pris Harry Potter, ça c'est pour un petit garçon de l'école qui les collectionne. Bon, il est en anglais, mais bon, je pense que ça lui plaira quand même. Ça, c'est pour Marjo, pour chercher Charlie. Où est Charlie? C'est Where's Wally en anglais. Là, il y avait un livre de seconde classe. Seconde classe, là, on est quoi, en espagnol, hein. Je ne sais pas ce qu'est la seconde classe. Je ne sais même pas lire l'espagnol au final, mais je trouvais qu'il était pas mal. Et en plus, il était vieux. Et nous, on adore quand c'est vieux, n'est-ce pas, les filles et les garçons? Ben oui. Est-ce qu'on pourrait avoir une date du livre aussi? Ben putain, il a l'air vraiment pas récent. Seconde classe, c'est quoi? Seconde classe d'élémentaire? C'est quoi, CE1? Je sais pas, je sais pas. Bon, bref. J'ai bien aimé en tout cas. Oh, j'aimerais bien avoir une date, s'il vous plaît. 58, mais 6e édition. Ouais, c'est ça ou pas, à votre avis? Je ne sais pas. Là, j'ai trouvé un livre pour moi, Monet. Bon, il faut que je le nettoie, mais j'étais trop contente parce que en anglais, en plus, voilà. Moi, je suis toujours intéressée par tous ces genres de livres pour la culture. Enfin, voilà, je ne suis pas une amatrice d'art, mais pour la culture, c'est toujours bon. Guess how much I love you. Alors là, après, voilà, on n'avait eu que des livres pour enfants. Que des livres pour enfants en anglais. Let's have a tea party. Ouais, regarde, mais je l'ai trouvé trop beau, celui-là. Mais trop beau! Oh là là! Non, mais... avec tout ce que tu dois faire pour recevoir, quoi, si tu veux. Trop fort. Alors là, évidemment, évidemment. Regarde-moi ça, la reine d'Angleterre, magnifique. Enfin, mais regarde-moi ça. On l'adore ou pas? La reine et son corgi, enfin, franchement, non, mais trop stylé. Mais trop stylé. Picture Dictionary. Donc ça, tout ça, ça va aller à l'école, hein, dans la classe. Hein. Bon, ils vont kiffax. Hein. Puis il faut que je dise les mots en anglais. Donc ils adorent ça. Ils vont kiffax. Ils vont kiffax. Non, mais trop fort. Attends, c'est pas fini. Encore, j'ai pas tout pris. Hein, mais je vais reprendre samedi. Celui-ci, je le garde pour moi. C'est un Astérix et Cléopâtre. Et en plus de tout, il a pas l'air tout à fait récent. Ah ouais, regarde. Tu vois? Il ne doit pas être tout à fait récent. Et en plus de tout, il est en anglais. Et ouais, donc super. The bear wanted to read. Bah oui, l'ours qui voulait lire, qui voulait apprendre à lire. Bah oui, évidemment, donc ça, c'est pareil. Oh, je suis trop contente d'avoir trouvé tout ça. Counting. Pour ça, en plus, on est en plein dedans, là. Counting to 10, donc super. 9, 8, 7. Bon, ils ne sont pas censés voir des mots anglais. Hein. Nous, on reste à l'oral, mais après, s'ils le voient, je leur expliquerai. Et puis voilà, c'est tout. Boucle d'or et les trois ours. En plus, on l'a fait. Donc, c'est super. Ils vont le voir en anglais. On l'a étudié. On l'a étudié longtemps. En plus, boucle d'or. Les trois, Billy Goat, Gruff. Bon, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le goat, c'est la chèvre.
Spiegel ou Graff, je ne sais pas à quoi ça correspond en français. Et là, tu as des livres avec l'histoire racontée. Donc, en anglais, Cendrillon et Peter Pan. Voilà. Donc, avec l'histoire, bien sûr. Mais moi, je suis sûre que même écouter de l'anglais, je leur ai fait écouter une petite histoire en anglais tout à l'heure. Enfin, il y avait les images, bien sûr, les trois petits cochons. Et ils la connaissaient en français. Mais sachant que Cendrillon et Peter Pan, en général, ils connaissent, je pense qu'ils doivent pouvoir l'écouter parce qu'on a un poste réservé avec des écouteurs, avec un casque. Et deux fois par semaine, sur le temps des jeux, ils ont le droit d'aller écouter une histoire. Donc, je vais quand même leur ramener malgré tout. Et je vous montrerai en dessous, il y a des 33 tours. Je vous montre aussi ça, les filles. Après, je vous montrerai d'autres choses. Et vous verrez ma jolie tête. Mais je pense que je le filmerai demain matin. Ma jolie tête. J'ai le troisième mug. Tu vois, le sarcopale, ça, oui. Avec le, tu sais, le Haribo. Les longues bestioles. Voilà, il me manquait que celui-ci. J'ai trouvé une jolie théière. Bon, oui, pour aller avec ses copines dans mon vaisselier. J'ai trouvé ceci. Alors ça, j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, c'est thermos. Ça se dévisse. Mais en plus de tout, ça, c'est une théière. C'est-à-dire que tu mets ton thé et tes feuilles. Et puis tu visses et voilà. Et en plus, ça fait un côté thermos, donc c'est super. Voilà, je suis trop contente. Je vais mettre tout ça à la vaisselle par contre. Hein. Je viens de m'asseoir dans mon canapé et je regarde par ma fenêtre. Mais franchement, le ciel est trop beau. Vous allez dire, je vous fais chier avec le ciel, mais regarde. J'aime trop. Et puis regarde, alors là, les arbres qui sont en train de fleurir. Ah, attends, le flash il s'est déclenché. Je sais pas si tu vois bien du coup. Là, tu vois mieux. Non, tu vas me dire, c'est pareil. Mais je trouve qu'il est trop beau le ciel, et encore je trouve que ça reflète pas. Non, ça reflète pas vraiment. Il est un petit peu laiteux, enfin. Et les arbres, moi je kiffe trop. Ils vont être roses bientôt. Je kiffe trop. Moi j'adore la nature, je trouve ça magnifique. Regarde-moi ça. Oh, non mais si, ça rend pas. Ça fait un peu rose violet. Enfin, je sais pas si ça rend la caméra. Bon, j'espère en tout cas. Hello tout le monde, il est 7h30, je suis prête pour aller à l'école. Tu vas me dire, elle a toujours son même pull rouge à col roulé. Mais c'est parce qu'il vient d'être lavé hein, quand même. Mais c'est parce qu'il fait tellement froid que je me suis rehabillée. Quoi. Je vous montre la suite du retour de recyclerie. En chaussures, j'ai trouvé ça, mais je vais les nettoyer parce qu'en plus, je trouve que, regarde, elles n'ont pas été forcément beaucoup portées. Un petit peu rayées là, mais c'est pas grave parce que c'est pas le truc que je vais mettre tous les jours. Je les ai essayées, elles sont en 39, c'est des Tamaris, 2€. Et franchement, nickel. Est-ce que c'est du cuir? Non, c'est pas du cuir. Mais franchement, elles sont trop mignonnettes. Alors, bien sûr, il faut que je les nettoie. Hein. Mais portées, je les ai essayées. Je me suis dit, 39, ça va être trop grand. Bah, franchement, pas du tout. Elles sont super mignonnes. En plus, elles sont pas très hautes. Donc ça, c'est clairement des petites chaussures que je mettrais, tu vois. Ça, c'est sûr que niveau talon et tout, en plus, Tamaris, c'est hyper confort. T'as la semelle antidérapante et tout. Donc ça, c'est clair que je le mettrai. Pour les 33 tours, j'ai pris celui-ci. Je connais le nom, je ne sais plus exactement. Mais ouais, je me suis dit que c'était plutôt sympa. Et puis, si à tout hasard, je vous le redis toujours, mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse, je sais que les 33 tours, ça plaît. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit message. Voilà, mais en dessous même. Ah, celui-ci. Non, mais quand je vois la tronche, je suis trop forte. Je suis trop forte, pardon. Non, mais je suis trop contente. Je suis trop forte. Regarde. Mais regarde la vieillerie du truc, quoi. 64, quoi. Enrico! J'adore. Enfin, j'adore. Oui, oui et non, parce que quand j'étais petite... T'as là toujours une histoire. J'étais en vacances à Cannes avec ma mère et, enfin, mes parents et ma grand-mère. Et en fait, on se baladait et sur une terrasse de café, il y avait Enrico Macias. Et ma mère me dit, vas-y, va le voir, machin et tout. Et moi, tu sais, hyper timide, toute petite, quoi. J'osais pas. Et quand enfin je me décide à y aller, en fait, le mec a pas été sympa du tout. J'ai été dégoûtée. Il a pas voulu de bisous, il a pas voulu d'autographe, il a rien voulu du tout. Donc, je suis repartie la queue entre les jambes. Et ouais, du coup, j'ai pas un très bon souvenir de lui. Mais bon, c'est tout. Hein. On va dire qu'il avait pas envie d'être embêté. Mais quand c'est une petite fille, je trouvais ça un petit peu dur quand même. Bon, bref, Balavoine.
Et le clin de... et clin d'œil. Bah, la voix des clins d'œil. J'ai adoré la pochette, en fait. J'ai adoré la pochette. Donc voilà, j'ai pris les rois du blues. Je connais pas, mais je me dis, ça peut être pas mal. Non, t'en as deux, pardon. T'as deux disques à l'intérieur. Je me dis, ça peut être pas mal. En plus, il était nickel, le truc. Donc voilà, je connais rien. Hein. Je ne connais pas ces noms. Je suis désolée, hein. Ça, je ne connais pas du tout en blues. Mais je me dis, ça peut être pas mal à écouter. Il faut s'ouvrir à tout dans la vie. Et magnifique, magnifique. Johnny Hallyday, 50 chansons, Philips. Donc là, t'as, voilà, il manquerait pas quelque chose des fois. Ah, mais les disques, ils sont mal rangés, c'est ça? Ouais, d'accord. Donc, il y a un disque ici, hop, et t'en as. Alors, là, t'as des photos en plus. 1, 2, 3 et 4. Voilà, d'accord, ok. Et c'est écrit quoi? Maxi photo, un poster géant super. Non, couleur sur Chromalux. Regarde le vieux truc. Attends, on va aller regarder les posters de Johnny. Ah non, le poster, il est là peut-être. Ah non, ça c'est. Ouais, d'accord, ok. Le pénitencier. Je veux pas en coller beaucoup là des chansons. Viens lancer le twist. L'idole des jeunes. Ouais, tu vois, c'est vraiment les chansons. Ah oui, c'est. C'est-à-dire que c'est Johnny il y a longtemps, quoi. Oh, j'aime bien. C'est génial. Tu vois. Mais trop bien. Alors, encore mieux. Donc ça, c'est génial. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait ça en plus. Photo Jean-Marie Perrier. En plus, en plus. Ok, d'accord. Je ne sais pas de quand ça date, les amis. 50 plus grands succès. Mais à quelle période? T'avais déjà 50 grands succès, toi? Je sais pas, peut-être début 60-70. Hein? On dira ça, les filles. Je vais chercher après. Bon, en tout cas, voilà. J'ai trouvé que c'était un super joli coffret. Et puis, j'ai trouvé des sacs à main. Alors là, il y a un Deadstock. Parce qu'il est encore neuf, le truc. Mais un Deadstock fin 90, début 2000, quoi. Tu vois? Là, voilà, c'est une fin de série qui n'a jamais été vendue. C'est ça, un deadstock, en fait. Et neuf, donc. Et c'est déjà écrit fait en Chine, mais sauf que c'est pas écrit Chine, c'est écrit PVC. Mais regarde, tricolore. J'ai trouvé hyper sympa. Et alors, ouais, tu vois, l'étiquette, je sais pas, je dirais, je sais pas, peut-être pas. Hein, ça se trouve, c'est hyper récent. Fait à la façon des années 90, mais je sais pas, est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Non, parce qu'on dirait plus PVC dans les... On écrirait Made in China. Ah, je sais. Ah, bon, si quelqu'un a une info là-dessus, je veux bien. Et là, j'ai trouvé... Là, c'est vintage, là, par contre. Là, il n'y a pas de... Là, on est en 90, début 90, là. Tu vois? Rodel. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette marque. Ça, c'est clairement... Alors, bon, il y avait un nom et un prénom, mais les gens ont... Voilà. Respecter l'intimité de l'enfant. Voilà. Ça, c'est pour clairement pour mettre un goûter. Hein. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je sais pas, mais je trouvais ça trop mignon. Là, on a un sac 70, s'il en fut. Oh la vache, schneck. Plastifié, c'est pour aller à la plage. Mais ça doit être un truc de gosse aussi, ça, non? Non, mais regarde. Je le trouve trop beau. Très plastifié, tu vois. Ouais, c'est vraiment un petit sac de rien. Ouais, aussi, on peut quand même le passer. Mais regarde, je sais pas, tu mets 2-3 bagues violettes. Je sais pas si c'est... Ouais, pour aller à la plage, quoi. Une crème solaire, je sais pas, moi, un petit gâteau. Puis voilà, une petite bouteille d'eau, quoi. Petite, hein. Je l'ai trouvé trop stylax. Trop stylax. C'est tout pour les sacs. Et on passe aux vêtements. Alors, il bouloche un peu, mais c'est pas grave. J'ai trouvé... Oh bah tiens, ça irait bien comme je suis habillée. Oh bah oui, carrément. Ah oh ouais, j'avais pas vu qu'il était stretch, trop stylax. Oh, je vais être à l'aise là-dedans. Ah ouais. Ah oh bah super. Donc c'est... Alors par contre, c'est un vintage. Et vintage 36. Et ça, c'est pas souvent. C'est pas souvent du vintage 36. Parce que avant... Les tailles commençaient souvent au 38, 38, 40 même.
Mais un Vintage 36, je sais même pas si je vais... Sérieux, je sais même pas si je vais rentrer dedans. Parce que j'ai même l'impression que là, regarde la largeur du truc. On est sur un 34 de maintenant quand même. Ouais, si, ça devrait aller. Si, si, en plus, c'est taille haute, donc ça devrait aller. Oh oui, ça irait super bien comme je suis habillée. Mais comme je ne l'ai pas lavé, je ne peux pas le mettre. Non, non, bah non, non, non. Voilà le petit pantalon. Putain, je suis encore en jogging. Vous savez, les juicy couture, là. Je suis tellement bien là-dedans. Tellement bien. Vivement qu'il fasse beau, que je puisse me rhabiller quand même. Moi, tout lié. Jusqu'à ce qu'il ne fasse pas beau, de toute façon, moi, je privilégie le confort et la chaleur. J'ai trouvé celui-ci et je l'ai trouvé hyper joli. Ouais, c'est un col roulé. Enfin, alors, oui, alors, est-ce que c'est un col roulé ou un espèce de col boule, là? Je sais plus comment on disait. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est un boule. Tu vois, il tombe... Ouais, il est vachement large pour un col roulé. Ouais, il est large pour un col roulé. C'est ce qu'on mettait, nous, dans les... fin 90, début 2000, hein, encore une fois. Tu sais, les cols boules, on mettait ça, on aimait bien. Niveau étiquette, parce que vous savez que j'adore regarder les étiquettes. Alors là... Pour moi, c'est pas vieux du tout. Tu vois, est-ce que ça vous parle, Majora? Majora? Ouais, ça... Ah, attends, il y en a une autre là, est-ce que... Non. Ça a l'air d'être une super... Ouais, tu vois, maintenant, on écrit Made in China. Et plus République de Chine, quoi. Okay. Je sais pas. Bon, dites-moi si ça... Alors là, là, par contre, il n'y a pas de doute possible. Là, par contre, l'étiquette... Voilà, Made in France, il n'y a plus de doute possible. Voilà, viscose 100%. La petite jupette, pff, elle est trop belle en plus, franchement. Voilà, un peu transparente, mais comme je vous dis, comme il y a pas mal de matière, du coup, avec le plissé, ça ne se voit pas forcément. Non, mais regarde, elle est trop belle en bas. Elle est trop belle. Ah, j'adore. Et puis alors là, je connais cette marque, mais j'ai pas l'impression que c'était Tallywege. Moi, je dis Tallywege, mais je crois pas que ça se dise comme ça. Wegel. Veil. Je sais plus de quand date cette marque, sans déconner. Paris. Je sais plus de quand date cette marque. C'est pareil, hein, on est sur du Made in France. C'est peut-être pas là, c'est, je sais pas de quelle année ça peut dater, ça. Ça pourrait être aussi bien 80 que 90 que 2000, début 2000. Tu vois, le pantalon en velours comme ça. Mais je me suis dit, mais trop bien. Alors, pareil, hein, les tailles 1 de l'époque. Quand je le mets par rapport à mon cou, c'est vraiment tout petit, petit. Hein. Franchement, regarde l'élastique, il est de là à là. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, c'est tout petit, petit. Et du coup, c'est un pantalon qui arrive à la cheville, mais pas très long finalement. Ça avec des... En plus, la qualité, elle est belle. Mais il faut que je fasse une recherche sur cette marque parce que j'ai la doutance là, si c'est vieux, si c'est pas vieux. Je vais mettre tout ça à laver. Je vais me préparer parce que je vais bientôt partir pour l'école. Je pars à 8h. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour l'ouverture de comment que ça s'appelle-t-il? Du colis... Modelite. Allez, bisous.